Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes avec Sam. Alors, je vous embrasse tous, les amis, et merci pour votre fidélité à la chaîne. Aujourd'hui, le sujet, c'est bien évidemment Macron. Bien évidemment, comment dire, ses manipulations pour garder le pouvoir, ses mensonges, ses coups tordus, etc., etc. On n'en sort pas grandi, bien au contraire, ça devient catastrophique. Cet homme veut garder le pouvoir, il veut garder la main sur tout, il veut décider de tout. Un gouvernement, une politique à la verticale, hein, c'est lui qui décide tout. D'ailleurs, il y avait un ancien ministre sur Twitter qui s'était exprimé. Je vais vous mettre la vidéo en commentaire. Le ministre de l'Éducation nationale qui le dit, on ne peut rien faire, on exécute les ordres. Et là, eh bien, écoutez, puisqu'il ne s'entend pas et les partis politiques tiennent, quoi, hein. Il sait que s'il met telle ou telle personne, ça va sauter par motion de censure. Donc, il va chercher quelqu'un qui vient, entre guillemets, de la société civile, entre guillemets, il a été président de mutuelle, mais il ne l'a pas mis encore, hein. C'est le bruit qui court, c'est le dernier bruit qui court, et visiblement, l'annonce enfin, l'annonce est pour là, ces jours, ces jours-ci. Bon, bah écoutez, on va demander au tarot, est-ce que ce fameux Thierry Baudet, qui a débuté comme instituteur, qui après a fait du militantisme, là il est à la tête du CESE, il était aussi dirigeant de mutuelle, choses comme ça, donc les gens de gauche n'ont rien à lui reprocher, les gens de droite non plus, il sort de n'importe, il fait pas de politique, ma foi il est plutôt marqué à gauche. Après, c'est le principe, quoi, le principe du jeu de Macron. Ça finit par m'écœurer, les amis. M'écœurer dans le sens où on n'est plus en démocratie, on est avec un autocrate qui cherche toutes les combines pour garder le pouvoir au détriment de notre démocratie et de ce que nous, on le désire. On est totalement arnaqué sur ce coup-là. Et avec une gestion à la Macron, hein. Donc on va en payer les pots cassés. Ce qui se passe actuellement, c'est inadmissible. Alors, les gens, il est temps de bouger, hein. Alors, mon tarot, dis-moi si c'est ce fameux Thierry Baudet là, qui va être nommé. C'est un pion, hein. On voit déjà à sa tête qu'il obéit au patron. Ça se voit déjà à sa tête. Il est gentil, fait gentil. Vous voyez, il me fait penser à Castex un peu. Vous voyez, ce genre de gars. Bon, ben voilà, c'est un directeur de grosse boîte. Ben voilà, il a monté les échelons petit à petit. Il a été muté petit à petit. Bon, ben là, il accepte le poste. Ben évidemment, c'est très gratifiant. Et puis, ben, il va exécuter ce qu'on va lui dire de faire, bien évidemment. Alors, c'est une promotion pour lui. Et Macron, là, sabote. Personne ne peut rien dire sur ce gars-là. Et tout est parfait. Alors, mon tarot, parle-moi de Thierry Baudet. Est-ce que c'est lui, là, qui est nommé? Ça ne saurait tarder. Il faut que tu me répondes. Dis-moi si c'est lui, si c'est ce monsieur. Alors, mon tarot. Est-ce que c'est Thierry Baudet qui est nommé à Matignon, là, demain ou après-demain? Puisque visiblement, vous me direz, les journalistes, ça fait un moment qu'ils racontent des cracks, hein, parce que toutes les semaines, on doit avoir le Premier ministre qui arrive. Heureusement, les amis, depuis un sacré moment, je vous dis qu'il y a du retard, du retard, du retard. Et déjà début août, je vous disais qu'on n'aurait pas de Premier ministre à la mi-août. Alors, Thierry Baudet, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui le prochain Premier ministre? Bon, une situation bloquée, hein. On est en attente. Bon, ben effectivement, on est en attente. Il y a une forme de sacrifice à faire. On est dépendant, hein. Avec le pendu, on est toujours dépendant. Le pendu est renversé, donc bien évidemment, ça ne bouge pas là, hein. On est tout de même dépendant, très important. Il y a du retard et tout. Bon, ça, on le sait, on le vit déjà depuis 2 mois. Qu'est-ce qui va contre? Le battleur. Le battleur regarde l'avenir, mais bon, on voit là que ce battleur, il n'a pas trop les moyens de faire. Il regarde l'avenir, mais il est plutôt bloqué, plutôt maladroit.
ne peut pas dire qu'il ait toutes les compétences, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Hein. Donc il regarde l'avenir, ce battleur, avec... comment dire, on dirait presque qu'il n'a pas le niveau pour le poste, puisqu'il n'a jamais fait de politique réellement, ni eu de ministère ou de choses comme ça. Il débarque de la société civile, et il n'a pas tous les moyens. Donc on voit bien que ce n'est pas lui qui va diriger, hein, quand on voit ça. Ici, l'amoureux, eh bien, la question ne se pose plus. On remet en question une situation, mais on ne laisse pas trop le choix finalement. Avec l'amoureux renversé comme ça, on est sur un blocage, on est en faiblesse, on remet en question une situation. Mais on n'a pas vraiment de direction. On remet en question une situation sans plus trop se poser de questions, puisque de toute façon, il faut prendre une décision. Le monde est inversé, donc on voit bien que ça ne fait pas l'unanimité. On voit bien que ça surprend tout le monde, ce genre de choses, hein. On va vers des hostilités, on va vers un blocage, on va vers plein de choses qui vont entraver la route, parce que là, on voit qu'on n'a pas, on n'accomplit pas, on ne réussit pas, on ne réussit pas à faire une forme d'unité qui contente tout le monde. On voyez, on met Tartuffe. Ben oui, les amis, ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et là, eh bien, on va vers la rupture. Il y a un changement là avec la maison Dieu. C'est l'échec, hein, tout de même, mais dans cet échec, Macron veut sortir le vainqueur, hein. Donc, dans cet échec, là, on voit la rupture. La rupture avec ce monde politique, quelque part, cet homme qui sort de n'importe où. Vous voyez, on est dans une situation de blocage. Là, on veut rompre avec ben, ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire mettre un politique, mettre un quelqu'un qui vient d'un parti politique, etc. Là, on met bien cet homme-là, voilà, qui n'a jamais gouverné quoi que ce soit. Il est dirigeant d'entreprise, de mutuelle, de choses comme ça. Il a démarré instituteur. Bon, ben, on voit la situation là. Donc maintenant, est-ce que Macron va mettre cet homme? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui qu'il va annoncer comme Premier ministre? Parce qu'il faut se méfier des médias, vous savez, quand ils vous disent c'est lui qui est dans les petits papiers. C'est vrai qu'il correspond au profil de ce que j'avais sur mon tirage, là, le dernier tirage que j'ai fait. La Lune, vous voyez que là, on est dans ce que l'on ressent. Là, on voit le peuple aussi. Avec la Lune représente le peuple. Le peuple est dans une situation de blocage où on voit qu'il y a une face sombre derrière cette politique, qu'il y a une face cachée, que là est enfouie, sont enfouies beaucoup de choses et qu'il y a une situation qui n'est pas du tout épanouissante pour le peuple français, pas du tout épanouissante. On sent les magouilles, les... voyez, on sent qu'à la manœuvre, il y a un seul homme, Macron, point. Mais là, le peuple, ici, on est dans une situation très anxiogène pour le peuple français. Hein. La Lune, c'est ça, hein, c'est ce que tu ressens, et ce que tu ressens, ce que tu vis depuis longtemps, parce que la Lune, c'est le passé aussi, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout épanouissant. Alors, sur cet homme-là, la justice est inversée. Donc là, la justice représente eh bien, une forme d'instabilité, de déséquilibre. On ne maîtrise pas comme on devrait les choses. On n'est pas dans quelque chose d'honnête, de droit, dans la vérité. On est en démocratie. Là, la justice, on voit bien qu'elle n'est pas rendue et réalisée comme on est dans une forme d'instabilité. C'est ça qui va contre. C'est ça qui va contre. La question. L'étoile est inversée. Bah dites donc. Là, il va perdre sa bonne étoile, le Macron. Hein. Bon, alors, l'étoile inversée, c'est une inertie, c'est une méfiance, hein. La désillusion aussi sur cette politique, sur ce parti politique, sur cette démocratie. Vous voyez, quand vous avez là l'amoureux renversé, la mauvaise étoile, l'étoile renversée, la désillusion, la maison Dieu, on va, voyez, regardez ça, le monde inversé, la colonne est très, vous voyez, le soleil inversé, la mésentente, on est dans l'excès, on est dans le blocage, on ne s'entend pas, je vais vous dire, c'est très flippant hein, pour nous Français. La lune, là, le soleil, c'est pas épanouissant, la justice,
elle n'est pas rendue correctement. L'étoile, on n'est pas, elle est pas, on ne va pas vers quelque chose qui nous élève, vers la sérénité, c'est plutôt l'inverse. Ça fait peur un tirage comme ça. Est-ce que il va nommer le fameux Thierry Baudet? La tempérance, eh ben c'est pareil, elle est renversée, dites donc. Alors là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On crée un déséquilibre. La tempérance, ça t'amène toujours quelque chose de bon qui permet de te... En fait, c'est une bonne transmission, c'est mettre de l'eau dans son vin, etc. Là, ce qu'il fait amène un déséquilibre avec la tempérance inversée. On est dans l'excès. Ça fait 2 mois que ça dure. C'est je balance une bombe, vous revotez. Ça fait 2 mois que ça dure, on est toujours dans le même bazar. Et là, il y a franchement un problème. Le voilà là. Le voilà là qui décide. Alors, on voit la ligne. On voit le parcours, là, je vais vous dire. Hein. La justice est renversée. Là, il y a son battleur, là, qui n'a pas les compétences. Là, la maison Dieu, la rupture. Et puis, ça va amener les difficultés qui vont par derrière. La situation est bloquée pour la France. Le peuple français, là, lui, il a beaucoup de choses à cacher. Hein. Il faut qu'il cache son bilan aussi. Hein. Et là, la tempérance, voilà ce qui l'attend. Eh bien, dites donc, bonjour la ligne. Dans l'idée, là, l'impératrice est renversée. Donc là, il est dans son mensonge. Ce pouvoir, alors c'est peut-être le futur Premier ministre. Là, moi, je dirais qu'on a quelqu'un qui n'a pas les compétences. C'est pas grave, c'est lui qui démarre. Vous voyez, ce premier-là, ce jeune, il regarde l'empereur. On voit que c'est l'empereur qui mène la danse. Hein. Donc, il s'en fout de ce qu'il met, du moment qu'il fait ce qu'il lui dit. Ça lui suffit, lui, c'est ce qu'il veut. Donc là, on voit que là, cette stratégie ici, on a quelqu'un qui est enfermé dans son mental, qui regarde le passé, et par rapport au passé, eh bien, il y a cette instabilité, il y a cet excès, et là, il y a beaucoup de choses que l'on veut cacher au peuple aussi. Il y a une forme de déni ici avec l'impératrice, et il y a aussi un blocage, on est bloqué, on ne peut pas agir. Qu'est-ce qu'il y a là? La mort, la rupture. Donc, il y a vraiment l'idée de faucher, de rompre, alors peut-être de rompre avec cette situation, ça peut être l'idée, de faucher bah, tous les partis politiques, hein, de prendre sa décision et de rompre avec ça, mais ça, cette faux comme ça, elle coupe des têtes, elle tranche, et c'est une rupture nette et précise, hein, boum. Donc ça amène aussi un blocage, parce que ça empêche de, quand la mort est tirée droite, eh bien, on est en transition vers autre chose, mais là, c'est pas possible. On n'arrive pas à passer à autre chose, on reste dans le même... Donc, est-ce qu'il va nous annoncer ce fameux Thierry Baudet? La force, hein, ce pouvoir comme ça qui résiste, qui reprend la maîtrise des choses face à ça, ou est-ce que c'est une force contre? En tout cas, là, il y a... Et ça, c'est possible. Oui, parce que là, cette force, cette résistance ici, elle est face à lui. Dites donc, vous vous rendez compte, tout le bazar au milieu, et là, une résistance, là, elle est face à lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'a pas le contrôle d'une situation, on n'a pas le contrôle d'une situation, ça, c'est ce qui va contre. L'ermite, il y a encore besoin d'éclairer. L'ermite, il y a des réponses à apporter. Ça va mettre du temps, il y a encore des réponses à apporter. L'ermite demande d'éclairer. Vous voyez, là, cette impératrice ici qui est un peu dans son mensonge, dans son blocage, qui est un peu enfermée dans son mental, dans son déni, eh bien, elle regarde là, cette situation, le peuple, le passé, la situation qui est bloquée, et ici, il y a encore des réponses à apporter. Et là, la roue tourne, on avance obligatoirement. Le destin, là, nous force à un changement, nous force à aller vers l'avant, à changer, à avancer. La roue de fortune est tirée dans le bon sens. Donc, ça peut être la chute de l'empereur, ça peut être plein de raisons, mais en tout cas, là, le destin nous oblige à avancer, à aller vers, vers l'avant, quoi, hein. Alors, j'ai toujours pas la carte d'annonce, les amis. Hein. Je ne l'ai toujours pas. Mais on voit bien là qu'on a quelqu'un ici.
voyez, il mène la danse, il mène la danse, lui tout seul. Je suis certaine qu'il a déjà choisi les futurs ministres, qu'il a déjà préparé plein de choses. L'autre, il va arriver, il a juste à faire la marionnette, quoi, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est Thierry Baudet ou quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un sorti du chapeau autre que lui, mais quelqu'un de la société civile qui ne serait pas politique, comme je vous avais dit. Ça peut être un autre nom, mais en tout cas, il va nous sortir quelque chose du chapeau. Quelqu'un là qui n'a pas les compétences réellement. La papesse ici, elle ne révèle pas, elle se tait. Et là, le jugement, voilà l'annonce. Là, on annonce quelque chose et on prend un nouveau départ. Donc, vous voyez, la papesse ici, elle se tait. Donc, il peut nous cacher un nom qui va nous sortir du chapeau et qui est peut-être pas Thierry Baudet. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Parce que là, il y a un secret encore qui est gardé. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas ici. Le mât t'empêche d'être libre. Le mât ici est renversé. Donc, tu ne peux pas démarrer ton aventure comme tu le veux. Tu es bloqué. Tu n'es pas libre. Le pape est renversé, il y a une forme de déni, et là le diable est un peu bloqué. Donc toutes les cartes après cette annonce ici, là, sont retournées. Donc il y a un blocage, il y a un blocage, il y a un déni du président, il y a une diabolisation, une manœuvre qui n'est pas totale parce que le diable est retourné. Donc l'annonce, elle est bien là, vous voyez, elle est bien là. Après, vous voyez. Je ne peux pas affirmer que ce soit le fameux Thierry Baudet. On voit que c'est quelqu'un ici, là, qui va être à sa botte. On voit bien tout ça, hein, je viens de vous l'expliquer. Là, il y a une rupture, une cassure. Il est un peu dans la merde, hein, quand même, le Macron, hein, même si, il est un peu dans le caca quand même, parce que ça ne va pas se passer tout seul. Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, les amis, parce que je n'ai pas de réponse supplémentaire. Je dois accepter ce que le tarot me dit. Hein. Et là, pour le moment. Il est encore en train de jouer ce Macron et de. Mais l'annonce, elle serait. Vous voyez, elle est là, mais vite fait, là. Vite fait avec quoi? Mombéline, est-ce que tu peux me dire si Macron va mettre Thierry Baudet? Est-ce que Macron va nommer Thierry Baudet, cet homme de la société civile, technique, quoi, en fait, qui ne fait pas de politique réellement? Ancien militant. Le CESE, c'est l'environnement, donc ça plaît aussi aux gens de écolo, les syndicats, vous voyez, il est un peu, c'est vrai qu'il coche les cases. Est-ce que c'est Thierry Baudet, le prochain Premier ministre? Allez, on fait juste en croix comme ça, et puis, est-ce que c'est Thierry Baudet? Est-ce que tu veux bien me répondre à la question, mon Béline? L'eau, bah là, hein, l'eau, c'est dans l'esprit, c'est flou, quoi, vous voyez. C'est lâcher prise, c'est mettre les voiles, laisser aller, flotter, les aléas, le voyage, dériver. Vous voyez, c'est le flou, quoi. Là, on voit, là, il y a quelque chose qui commence, quelqu'un de jeune. La carte beauté, c'est la carte de jeunesse, et c'est la carte aussi de démarrage, de début. Hein. Là, ce qui va en contre, malgré tout. Dans l'idée, le destin, la clé, donc on va bien prendre un virage, on est bien sur notre karma, ce qu'on vit tout de suite. La sagesse, le bon sens, vous voyez, faire preuve de bon sens, de sagesse face à la situation. Et j'ai quoi en carte centrale? Tendre la main, carte jupitérienne, tout ça. Hein. Donc on tend la main quand même, on tend la main vers la carte jupitérienne, c'est le coup de chance, c'est l'autorité aussi, hein. L'ambition sociale, l'ambition de l'autorité, tendre la main, la générosité aussi, enfin de la part de Macron, dans l'esprit c'est un peu flou. Bon, il y a quand même une carte de destinée là-dessus, je vais remplir, tiens. Ça ne me dit toujours pas si c'est Thierry Baudet, mais bon. Allez, dernière, hop, est-ce que c'est Thierry Baudet? Là, l'ennemi, le rival, regardez là-dessus, là. Là.
carte martienne, donc ça ne va pas se passer tout seul. Là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur avec la carte élévation, ça va contre, mais quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est pourtant une bonne carte, normalement, prendre du galon, quoi, vous voyez, prendre du galon, quelqu'un de nouveau qui prend du galon. Sur la carte destinée, j'ai quoi? La tempête, oh là là, on va vers la tempête, les amis. L'inconstance, c'est ça, hein, ça ne va pas rouler tout seul. Et sur cette carte de sagesse, la nativité, le nouveau cycle, bah oui, on va vers le renouveau. On va la voir, cette annonce. Ah, mes beaux amis, j'ai dit que j'en mettais qu'une, j'en mets deux. Bon, alors, est-ce que ça va être Thierry Baudet? La grâce de Dieu. Ah oui, la grâce de Dieu. La méchanceté, là. Hop, hop, hop. Ça ne va pas se passer tout seul non plus, là. Hein. Carte martienne. La table, les réunions. La paix. Est-ce que ça va être Thierry Baudet? Vol perte. Donc là, il y a vol perte, c'est un malheur. Hein. Vol perte, c'est dans la communication perdre, perdre. Vol perte, cette carte signifie la fraude, l'insuccès, la défaite, la privation aussi. Vous voyez? Au milieu de ça, il y a quand même la grâce de Dieu dans l'épreuve. Donc Dieu va nous protéger. C'est certainement quelque chose que l'on doit vivre. Donc, ce sera atténué par cette grâce de Dieu. Mais vol perte, ça peut être pour la France. Pour les finances, pour nous, Français, vous voyez, enfin, et là, ce qui va contre la ruine. Il y a tout de même une idée, là, dans cette ligne, de quelque chose qui nous attend, qui va ne pas être bon du tout, et je vous l'ai déjà dit, on va, là, c'est quand même, on est tiré de plus en plus, de plus en plus vers le bas, vers la ruine, vers quelque chose des mois difficiles financièrement, et puis une annonce peut-être sur les finances de la France et sur tout ça, qui va nous être là, très, très mauvais, hein, très mauvais les amis. Hein. Donc là, les despotismes, on va dépendre de cette situation, on ne va pas pouvoir avancer. Vous voyez une carte, une énergie martienne, où on n'a pas notre liberté, où on est... cette carte de despotisme, c'est... une situation qui est figée, on est soumis, c'est être privé, on est privé, on va être privé là. Et là, les présents, les cadeaux. Donc, sur cette nativité qui est un nouveau cycle, on va vers quelque chose qui nous attend, puisque là, la destinée est là et qu'on va prendre un virage. Donc, on va la paix ici, dans le relationnel, c'est ce que l'on veut. Les présents, c'est peut-être cette paix sociale que l'on va vouloir. Ces présents, c'est offrir des choses, passer le relais, offrir des choses. Il y a quand même là une distribution d'argent, ici, une distribution d'argent. Mais, comment dire, c'est peut-être pour calmer le jeu, parce que de toute façon, on voit sur cette ligne-là qu'il y a une ruine certaine. Et que là, ça va vraiment... ça ne va pas aller dans notre sens pour les mois qui viennent. Ça ne va pas aller dans notre sens. Donc cette recherche de stabilité ici, d'agir avec bon sens, de vouloir faire du nouveau et de vouloir amener la paix en donnant des cadeaux, je ne suis pas certaine quand je vois ça pour l'avenir, que ça c'est le présent, enfin c'est la réponse à ma question. Je ne suis pas certaine que pour l'avenir ce soit quelque chose qui aille en notre faveur, pas du tout même avec cette carte-là. Voilà les amis, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, je ne peux pas, voilà, ça ne me répond pas autrement. Thierry Baudet, ça va être la surprise, si ce n'est pas lui, c'est un du même genre, hein. C'est le même genre. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.